On pourrait se croire au cœur d'un mini-Rungis, et pourtant, c'est à la Banque alimentaire de la Moselle que ses bénévoles s'activent chaque jour. Toute la journée, ils vont réceptionner, trier et préparer les aliments qui seront ensuite redistribués aux associations caritatives. La Banque alimentaire, c'est une tête de réseau d'associations et nous avons une quarantaine d'associations qui viennent chez nous pour trouver les denrées à distribuer à leurs propres bénéficiaires. Leur source d'approvisionnement passe par la Banque alimentaire. D'autres associations vont chercher directement dans d'autres commerces, donc on n'est pas en concurrence. L'essentiel, c'est que les denrées disponibles soient attribuées aux personnes qui en ont besoin. Et pour cela, les produits frais, comme les fruits ou les légumes, doivent d'abord passer entre les mains des trieurs. Ils s'assurent de la qualité et de la fraîcheur de ces aliments. Elsa est bénévole à la Banque alimentaire depuis maintenant 6 mois. C'est une fois en retraite qu'elle a décidé de donner de son temps pour aider les autres. Ça m'a tenu vraiment au cœur. Savoir donner et pas être égaux. Savoir donner, c'est très important pour moi, personnellement. Et donc l'équipe avec laquelle je travaille ici, c'est des gens vraiment très bien. Mais à cause du confinement, les temps sont durs, les dons de nourriture se font plus rares. Forcément, les commerces ont adapté leurs provisions en fonction de la clientèle et les stocks sont moins importants que d'habitude. Donc on le ressent dans nos collectes. Un appel aux dons a été passé la semaine dernière aux restaurateurs et autres professionnels de l'alimentation. Mais même les particuliers qui le veulent et qui le peuvent sont invités à donner. On accepte tous les dons, du plus simple, du plus humble, au plus important. Les industriels agroalimentaires également nous font des dons. Là, ça représente souvent des palettes entières. Mais même un petit paquet de pâtes sera utile à quelqu'un. Simplement, ce qu'on demande, c'est de nous aider à aider. Les 27, 28 et 29 novembre prochains, la grande collecte nationale de la Banque alimentaire aura lieu dans toute la France. Comme chaque année, les bénévoles seront présents le temps d'un week-end au sein de différents points de collecte afin de récupérer un maximum de dons.